to the dark side. I wanna be your left hand man. Matin, on se retrouve après genre une semaine ou une semaine et un jour. De quoi du genre? Fait que depuis. Ben là, l'éclairage est vraiment bizarre. Je voulais vous montrer. Depuis qu'on s'est vu, j'ai fait mes cheveux. Fait que, attendez, je vais vous montrer peut-être dans ce sens-là. Ouais, on va mieux voir. Fait que, dans le fond, j'ai fait ma repousse de cheveux. Puis, je voulais les cheveux plus blonds. Je voulais plus de blond dans le bas parce que, dans le fond, c'est des mèches. Fait que, tu sais, vous voyez, j'ai des bouts de mèches de ma couleur naturelle. Mais là, c'est ça. Je voulais plus de blond. Fait que, elle a fait genre une. J'ai oublié de mon Instagram. Ça a l'air genre. Elle a fait une genre de. Une nouvelle technique, mais elle m'a demandé si je voulais qu'elle l'essaye, là. J'ai dit oui. Puis j'aime vraiment ça parce que ça fait que la. C'est vraiment collé à ma racine, là, les petites mèches qu'elle m'a faites. Tandis qu'avant, il y avait comme mettons un petit jeu. Avec ça, elle pouvait plus les coller. Puis elle pouvait plus. Elle pouvait en mettre plus. Fait qu'elle a mis aussi, c'est ça, du bleu, genre le bas. Puis c'est fou parce que le. Je me rappelle plus, elle m'a dit c'était combien de volume, là. Mais c'est vraiment genre. Moins qu'avant, là. Fait que c'est vraiment le fun parce que mes cheveux, je les sens pas abîmés. Mais je les ai quand même coupés parce que mes pointes étaient effilochées. Mes pointes étaient effilochées. Fait que tu sais, c'est avec. En mettant plus. Oh, le bébé toutou. Hé, hey, tu veux-tu dire allô à la caméra? Non. Ouais. Oh. T'es-tu hâte de voir ta soeur? Cette semaine, on a été faire une échographie 4D. Amanda était là avec ma fille, Jordan était à l'école. Fait qu'elle a vu sa soeur. C'est vraiment drôle parce que. C'est comme un. Parce que là, je l'ai faite à. J'étais à combien de semaines? J'étais à 24 semaines demain. Prends nouveau auto. Oui, on a pris notre auto. Je pense que j'étais à 24 semaines demain. Parent bébé. Fait que. Maman, papa. Parent pas de bain, non, on n'a pas fait de bain aujourd'hui. Il est 9h. Fait que. C'est ça, je vais en faire une plus. J'en fais une en 32 semaines. Là, les traits vont être très définis. Là, c'est comme plus générique, mais ça nous donne comme plus une idée quand même. Puis ça a l'air d'être comme un mélange des trois enfants, là. Puis c'est vraiment drôle parce qu'à l'écho, que j'ai vraiment pas aimé, que j'ai pas eu une belle expérience, mon écho m'a refait. Ah, pipi! Ben oui, vas-y, au toilette. Tu vas être assis? À l'écho, en fait, j'avais pas une bonne expérience. Puis là, ça a tout comme effacé ma mauvaise expérience. C'était tellement une belle expérience. Je capote, pour vrai. Puis, c'est ça. À l'écho, morpho, on pensait qu'elle avait une méga bouche. Là. C'était comme d'où ça sort une méga bouche. Mais moi, je pense que l'image, elle baillait. Parce qu'elle a une bouche comme les autres enfants, je pense. Je sais pas comme qui, là. Il y en a plusieurs qui disaient que ça ressemblait à Maverick. Puis Anthony, il trouvait ressemblant à Amanda. Puis mon père m'a envoyé une photo d'Amanda, genre, quand elle est née, que lui a pris. Fait que c'est une photo que j'avais pas. Puis c'est drôle, quand elle se ressemble pas vraiment, là, quand t'es un bébé naissant. Puis elle ressemble vraiment à cette photo-là. Fait que j'ai hâte de voir. On va la revoir à 32 semaines. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis vraiment contente. De mes cheveux. Ouais. Fait que là, on est samedi, Anthony travaille. C'est son week-end de travail, mais. C'est chaud, c'est mêlé. Mais il a pris congé demain, on va à cabane à sucre. C'est drôle, hier, il y a eu un cadeau du CIUS auquel il travaille. Attention, Amanda, à la caméera. Puis, tu sais, c'est rare pour les employés, tu sais, ceux d'agence, ils n'en avaient pas. OK, mais toi, je dis pas. Ceux d'agence, ils n'en avaient pas. Mais ils lui ont offert parce que ça fait un bout qu'ils travaillent là, pareil. C'était genre, il y a eu plein de produits Marcel. Tu vas faire quoi? Beurre d'arachide. OK. Je vais te faire ça. Fait que. Ou des céréales avec du lait. Jaden, non, Jaden, il a déjà mangé. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que. Ouais, hier à la nuit, avant de se coucher, il voulait des céréales. Fait que, en tout cas, il y a eu trois produits Marcel qu'il m'a donné, puis il y a eu comme un badge
plaqué or, et genre, merci ange gardien, par rapport à la COVID, là, parce qu'il travaille dans un CHSLD. Fait que je trouve ça comme... C'est une belle attention quand même qu'il y en ait de, que la gestionnaire en ait donné un à lui. Puis c'est vraiment comme... c'est pas une affaire du gouvernement, c'est comme le... Merci à ce qui a donné ça. Mais c'est ça, comme je vous dis, ils travaillent pas pour eux, ils travaillent pour l'agence, mais ils en ont donné quand même à Anthony. Okay. Je trouve que c'est le fun. C'est pas assez. Je vais faire ton pain au père Rachid. T'as bobo, dedans? Je vais déjeuner. Je me suis fait des bagels maison hier. Ma recette est sur ma chaîne principale que je n'utilise plus, mais depuis un an. Mais pareil, c'est une recette de bagels santé à base de yogourt grec. Puis j'ai mis du Philadelphia Light. Anthony va se réveiller bientôt, là. Puis lui, il s'est dégelé du saumon fumé qui va se mettre. On est de retour du Costco. J'ai pas emporté ma caméra parce que je vais être sûre que j'avais assez de batterie. Ça a coûté 435, mais on a vraiment, vraiment beaucoup de stock. Ouais, je suis vraiment contente de l'épicerie. On a économisé en rabais, j'aime ça tout le temps de dire, 20$ de rabais. Puis tu sais, ça vient vraiment moins cher au Costco. Il y a plus de ketchup dans le frigo? Non, il en reste un petit peu dans le pot. Ouais, un petit peu. Fait que, on avait plus de pain. Alors, du pain. Et on n'achète jamais de frites, mais là, il était vraiment pas cher, là, en spécial. Les frites sont bonnes. Ouais, fait que les frites, ça, là, c'est genre 4. C'est vraiment pas cher, fait que des fois, c'est pour faire les repas aux enfants. On avait plus de riz. Fait que une poche de riz basmati. Les enfants voulaient vraiment des dorotons sur le fromage. Je n'aime pas ça, donc c'est une dorotons parce que je ne traite pas. Tant mieux. On a acheté deux laits. Là, j'en avais besoin de fruits, là. Écoutez, ça faisait 3 jours que j'avais plus de fruits. Fait que je me dégelais des fruits congelés. Fait que un paquet de framboises. Pas mal sûr, j'en ai pris deux. Du beurre d'arachide, parce que Jayden, il déjeune ça à chaque matin, puis j'étais rendue dans le fond. On avait pris le fromage. Il n'y en avait pas en rabais. J'aime pas prendre tranquillement en rabais, mais bon, on avait plus. Du jambon comme ça. Là, c'est sûr, j'ai pas de sandwich de lunch à faire parce que c'est la semaine de relâche. Puis là, on est samedi. On va faire la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. On a décidé de garder ma veille aussi. Puis c'est ça, qui n'est pas à la garderie. Ils vont être avec nous toute la semaine. Anthony s'est pris du bison haché extra maigre. Puis là, Anthony commence un défi. De 28 jours. Le 28. Ouais. Il commence dans son programme d'entraînement. En fait, c'est comme un groupe aussi. Fait que là, le groupe part un défi de 28 jours. Il y a zéro triche dans les 28 jours. Puis c'est 28 jours parfait. Genre, qu'il doit faire 10 000 pas par jour. Ouais, les macros, le sommeil, tout calculé. Tout. Faut qu'il dort 7 à 9 heures par jour. Absolument. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que sa dernière triche va être demain. Demain. On va à la cabane à sucre. Fait que j'ai acheté du bison extra maigre. Parce que c'est dans les 28 jours, il n'y a pas de triche. Il a acheté des. Oui, on va aller au Mega Maze aussi. Filet de porc, comme ça ici, il est en rabais de 4$, je pense. Des yogourts. Ça, c'est 5$. C'est en rabais. Je n'ai pris 2 paquets. Là, Anthony, il s'est pris des. Il s'achète ça. Ça va, là. 27. Oh my god. Gatorade 0. C'est genre 5 calories. Écoutez, combien t'économises là-dedans pour acheter, même quand il s'en achète 2 quand il travaille? Quand j'achète des jeux genre couche-top, c'est comme 2 pour 4,80 plus taxes. Ouais. Fait que c'est environ 55$ de moins cher. 55$. Moins cher. Chaque fois que je travaille à l'épicerie, c'est quelque chose. Ouais, parce qu'il en achète 2 par corps de travail. Parce que là, c'était 18 pour 28. C'est fou, là. 55$ d'économie. Fait que. J'ai donné bien manger. Oh, le frigeur était ouvert. On va continuer ici. J'en ai. Non. Plein. Oups. Plein de comptoirs. Des yop. Il y avait les mini qui étaient en rabais, sauf que dans le fond, on va regarder le prix. Puis ça revenait quand même mieux côté quantité de prendre eux.
Parce que les enfants, ils les gaspillent pas, là. Tandis que quand ils prennent les petits, mettons, ils vont en prendre 3, ça va plus vite. Enfin, le prix au 100 ml, il est plus bas de ceux-là comparé aux autres. Des Fruit Loops, parce que là, on a presque plus de céréales, fait que là, une céréale à la fois. De l'huile d'olive, on en avait plus. Presque plus. Des pâtes d'ours. Il m'a dit qu'il voulait des pâtes d'ours. Il voulait aussi des croissants. Il m'a dit qu'il capote sur les croissants. Ok. Des croissants. Ça m'a dit ça. Ouais. Même avec lui, il a gâté jamais. Moi, j'ai pris des Nizuki cornichons à la nette épicée. J'ai vu ça. C'est un survêtement imperméable pour enfants. Comme ça, une pièce, c'était 17$. Maman, c'est à toi, oui. J'ai pris un 3T. Il y avait un exemple en 3T, puis je pense que ça va être vraiment la bonne grandeur. C'est ça, 18 mois à 4T. Fait que je n'ai pas pris pour les gars, mais pour elle, elle aime bien jouer dehors. Fait que ça va être parfait. On n'avait plus de patates. Fait qu'on a pris deux fois les taux de potato, hein, comme ça. Je trouve sont vraiment bonnes dans l'air fryer. J'en coupais en deux. Hein. Fait que, ouais, on a pris deux fois parce que demain, on reçoit son oncle qui a presque la même âge que lui. Puis il va faire ça entre nous, puis il va s'en mettre dans ses meal prep. Du ketchup parce qu'on n'avait presque plus. Fait que là, il est fini. Ouais. Fait que l'autre côté. Pour demain soir, un gâteau au fromage. C'est le gâteau préféré à Anthony. Donc c'est ça qu'il veut à sa fête. C'est pas pour moi. Ouais. Des raisins verts. Il y aura vraiment plus de place. Deux fois des bananes. Je vais mettre les choses. Et il a pris d'autres. Je vais les pâtes. D'autres filets de porc. C'est pas cher parce que c'est 4$ sur le prix. Ouais, 4$ de rabais sur le prix. Fait que si tu prends. Le moins cher, c'est là que tu fais le plus gros rabais. Ouais. Là. Ça, c'est ouvert. J'ai pris ça pour souper ce soir parce que Anthony travaille. Comme il est allergique aux crevettes, ben, il n'en mange pas vraiment quand il est là. Fait que là, c'est des pâtes penées aux crevettes. Je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Les enfants, ils aiment ça quand c'est des plus petites crevettes. Puis ça, c'est des plus petites. Fait que, on va souper ça. C'est 21$. Ça revient comme plus cher comme souper, mais il y a beaucoup de crevettes. Des fraises. Des raisins rouges, des piments. J'ai découvert que les enfants aiment bien manger des piments, mais crus. Fait que. Anthony, je voulais qu'on achète ça des ramen tonkatsu. Il ne pourra pas en prendre dans son 28 jours. Hein? Mais aujourd'hui, oui. Des petites tomates. J'aime ça me faire la tomate olive feta. Vous me connaissez. J'ai pris deux fois la salade. Cornichons à la nette. J'aime bien ça. Et j'ai pris une fois, que j'ai pris une fois celle-là aussi à la télé. La chou frisé. Ça en fait deux bonnes salades, là. C'est maintenant j'ai fait pour moi. Même trois. Elle est bonne. Avec la vinaigrette crème de pavot. Ah oui, c'est ça. J'ai deux framboises. Les enfants voulaient des saucisses. Là, j'ai un autre gros paquet de yogourt. Fait que je le sortirai pas de la boîte. Là, ok, ce soir, on va goûter à ça parce que c'est vraiment cher. Fait que c'est sûr que les enfants vont manger les fraises normales. C'est des fraises Beanberries. Fait que c'est des fraises, ça a l'air pas appétissant quand tu les vois parce que ça a l'air comme pas prêt d'être mangé. Mais c'est vraiment fait de même. Puis supposément, c'est un mélange de fraises et d'ananas, le goût. Mais c'est cher, c'est genre 6$ pour ça. Fait que on va goûter ensemble ce soir quand les enfants vont dormir. Puis les enfants, c'est ça, ils voulaient des fraises. Fait que j'ai deux autres paquets. Fait que j'ai pris trois paquets de fraises. Ils avaient l'air belles. Oui. Tu veux un croissant? Oui. OK, deux secondes. Puis je me suis acheté des grosses crevettes cuites sans queue. Je déteste enlever les queues. Fait que je me suis pris ça parce que j'avais aimé ça quand je m'étais fait des meal prep avec ça l'autre fois. C'était vraiment bon. Fait que voilà! Je suis dans la chambre des filles. Ça me drôle de dire ça. Là, Anthony vient de partir travailler. Il est 2h. On a écouté un petit peu l'émission. C'est All of Us
All of Us Are Dead. C'est une émission coréenne. C'est vraiment bon. En tout cas, franchement, j'aime vraiment pas les émissions de zombies, mais c'est dans le fond, on a fini La Casa de Papel. Je pense qu'on a commencé ça il y a un mois, puis on a fini toutes les saisons. C'était vraiment bon. Je me demandais comment ça allait finir dans ma tête. Ça pouvait pas finir comme c'est fini. Fait que je suis vraiment contente que ça finisse de même. En tout cas, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qu'on a fait, dans le fond, je suis dans la chambre des filles, comme je vous dis. Je vous ai pas montré encore le lit de grande Amanda, sa chambre et tout ça, mais c'est parce qu'elle est pas terminée. Fait que là, on vient de faire le mur de cadre. Dans le fond, tantôt, Anthony installer les cartes sur le mur, puis moi je vais mettre les affiches dedans, je trouve ça vraiment beau, je regarde ça maintenant. Puis je peux vous faire un petit sneak peek, de toute façon ça va être publié sur Instagram, je pense demain. Fait que voilà, son beau mur de cartes, je trouve ça vraiment beau. Puis dans le fond, les seules choses qui me restent là pour sa chambre, parce que là, dans le fond, sur ce mur-là, j'avais Amanda, comme ceci, que j'avais acheté, puis j'avais acheté aussi... trois roses. Mais là, je vais faire Camilla, qui va être écrit en dessous, puis je vais le mettre ailleurs sur un autre mur. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire? Là, c'est ça. Je vais filmer mes petites stories parce que j'ai posté aujourd'hui, dans le fond, les affiches que j'ai choisies. C'est de Opposite Wall. Puis, après ça, ben, je vais descendre en bas. Puis, je vais couper tous les fruits. Dans le fond, j'ai tout rangé avec l'épicerie Costco, mais j'avais laissé les fruits sortis par chaque. Je voulais toutes les laver, toutes les couper, mais je voulais profiter du temps qui me restait avec Anthony, comme il partait bientôt travailler. Regardez, je vais vous montrer dans l'autre sens. J'essaie de pas trop vous montrer la chambre. Mais comme ça, je trouve que ça fait vraiment beau. Puis, les dimensions que j'ai prises... Bon, on va chercher alors. Ouais, j'aime bien ça, partager quelque chose. J'ai comme pas lagué depuis une semaine, mais pour vrai, je filais pas. J'étais vraiment, j'étais anxieuse à cause de la guerre en ce moment. Okay? J'ai pas, je veux pas en parler longtemps ici tout seul, hein, mais pour vrai, ça m'a rendu tellement anxieuse là, quand, mettons, ça devienne une troisième guerre mondiale. Oh mon dieu, pour vrai, là, je filais pas, là. Je filais vraiment pas. J'ai pas publié sur aucun réseau social pendant 2 jours, je pense. Je me sentais pas bien. Puis je voulais vous dire que si vous vous sentez pas bien, vous avez le droit. Même si vous, tu sais, moi, je trouve qu'on est chanceux de vivre ici. Tu sais, qu'on ressent pas la, tu sais, qu'il y a pas la guerre en tant que telle, là. Fait que, mais je me sens pas bien pour qu'est-ce qui se passe dans le monde. Oh mon dieu, je filais pas, là. Je pensais à que je vais donner naissance à un autre enfant, puis que, genre, on sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, là. Fait qu'en tout cas, je filais vraiment pas. Fait que c'est ça, je voulais vous partager ça. Je t'ai étendue sur le sofa. Fait que, les enfants, là, je viens m'activer et laver tous les fruits. Il y en a tellement, ça me décourage. Je voulais vous dire, on a réservé nos vacances d'été. Dans le fond, à la base, on avait décidé de retourner à Matane. Quand on a été en Gaspésie, comme on a fait 5 places, je pense, 4-5 places, puis notre arrêt à Matane, on avait été juste une nuit. On avait trouvé ça tellement beau, l'hôtel était tellement bien placé, c'était le Rio Hotel Matane. Puis ça, sauf que moi je veux toujours des annulations gratuites et dans le fond que tu payes quand tu arrives sur place. Je veux pas payer d'avance parce que il y a quelque chose, peu importe là. Puis dans le fond, là, il fallait absolument que je paye d'avance. Fait que j'étais comme on sait jamais là, ce qui peut arriver. Tu sais, mettons, là, notre retour, notre van, on l'attend en mai. T'sais, mais mettons, là, full en retard. C'est peut-être qu'on pourra pas y aller. Mais j'ai réservé au mois d'août. Fait que on devrait vraiment être correct, là. Mais, ouais, c'est ça. Oups, mes cheveux. Ouais, fait que, c'est ça. Fait qu'on a changé d'idée. Là, on pensait... parce que notre choix, c'était d'aller seulement à un hôtel, mais de
pour comme être mais un hôtel bien situé puis que on t'sais, on peut se déplacer une heure et demie autour, c'est vraiment pas grave. C'est juste que avec un bébé naissant, mais c'est pas tant l'affaire de bébé naissant parce que avec Amanda on avait fait le tour de la Gaspésie. C'est juste que là on a 4 enfants, fait que c'est beaucoup de stock. Puis c'est plus reposant, tu sais, l'année passée je vous l'avais dit, on avait remarqué que au moins quand on faisait au moins 2 nuits, celle-là que c'était plus agréable, qu'on pouvait plus en profiter que toujours une nuit, une passe. Fait que on retourne à Chicoutimi parce que c'est notre hôtel qu'on a préféré au Saguenay. Là, il y en a plein qui me l'ont demandé quand je l'ai passé. Oui? Ok, un instant, Amanda. Fait que c'est le OTL Chicoutimi. C'est un 5 étoiles, mais c'est vraiment un 5 étoiles où il y avait des familles, on se sentait bien, on se sentait pas là, de, comme quand on avait été à la Malbaie dans le manoir Richelieu. J'étais comme, je me sentais pas à ma place. Dans le sens. Non, c'est à papa ceux-là. Bon. Fait que, ce que je veux dire, c'est que c'est un hôtel qui est vraiment un bon prix pour... parce que, mettons, l'hôtel à Saint-Félicien qu'on avait fait, je pense que c'était le même prix, mais tu sais, il était vraiment moins... c'est un 4 étoiles, celui-là, c'est un 5 étoiles, mais il était vraiment moins, mettons, moderne et tout. Il est vraiment beau, l'hôtel, et il y a le buffet inclus, buffet déjeuner, mais c'est genre... Tu sais, c'est vraiment super, là. Attends un instant, Amanda. T'sais, ils te font des omelettes sur place, il y a plein de fruits, plein d'affaires. Là. C'est vraiment un gros déjeuner. C'est pas juste des muffins, des croissants. Là. C'est comme le gros choix. Fait que Anthony aussi pourra bien choisir ses trucs à manger. Fait que, pis c'est inclus, fait que ça, c'est vraiment le fun. T'sais, ça sauve beaucoup d'argent. T'sais, au lieu d'acheter plein d'affaires pour déjeuner, ben, on a un gros déjeuner. Puis quand tu déjeunes gros comme ça, le dîner souvent il est plus léger, tu sais, plus petit. Fait que c'est ça. Et il est bien situé. Moi, dans mes journées préférées, quand on était au Saguenay, il y a la journée qu'on a été à l'Abbé, qui est comme, il me semble, à 20-25 minutes. Là. Quoi? Pipi. Ben oui, il va faire pipi. 25 minutes de l'hôtel de Chicoutimi. C'était trop parfait là. On avait pris du Starbucks, on avait été au parc qui a la vue sur le fjord du Saguenay. Un super beau parc, les enfants l'aimaient full. Après on avait été se baigner tout à pied, genre. Après on avait été à la cantine Boisvin, on avait été prendre un gelato. C'était juste parfait comme journée. Puis écoutez, ça a coûté rien. Là. Ça a coûté genre la cantine et le gelato. Fait que j'avais full aimé cette journée-là. Fait que c'est sûr qu'on va aller 1 ou 2 jours. Différents là-bas. C'est sûr qu'on va aller au zoo de Saint-Félicien, même si c'est, mettons, 1h ou 1h30, je sais pas. C'est pas grave. On va revenir, puis on va être au même hôtel, on n'aura pas besoin de se déplacer. On n'a pas pu faire le zoo complet l'année passée tellement que c'est gros. Fait que c'est ça, on y va combien de nuits? J'ai réservé du lundi au samedi. Ouais, tu as fait peur quand t'as fait du bruit avec le bol. Fait que on va aller là. Fait que ça, c'est comme l'hôtel là, qu'on a réservé pour l'été. Puis à part ça, ben, je vais faire du camping. Mais non! T'as non! Regardez-moi ça, ma préparation de fruits. Un bol de fruits rouges, de raisins rouges, 3 paquets de fraises, 2 paquets de framboises. Donc, j'ai un là. Et 3 plats de raisins. Je vais aller jouer avec les chaudrons. Puis là, il me reste. Les fraises. je pense que je vais faire mon test après. Ok, va finir sa musique. Non, tout va tomber si tu prends ça. Pendant qu'elle a fini son petit test de musique, on va goûter à ça. La fraise, je sais plus comment, là. C'est bon. C'est comme... Ça, non, c'est fragile pis c'est coupable. Prends pas le ninja. C'est bon. C'est comme... C'est sucré, mais c'est doux, genre. Il y en a qui disent fraise ananas. Je sais pas si c'est vraiment ça. Ça goûte pas l'ananas. Mais ça goûte pas, genre, la fraise rouge, là. Fait que... Mais c'est bon. Mais c'est cher. Mais c'est bon. Voilà.
Ouais, fait que ça, je les ai vraiment coupés le minimum que je pouvais. Écoutez, ça revient vraiment cher la framboise. Faudrait que je calcule, mais c'est sûrement. Ça revient cher, la fraise. Ouais. Mais c'est bon, ça fait différent, là. C'est juste que je vais plus servir aux enfants que sur le mouton. Ouais, fait que je suis bien contente, mais ça m'a pris vraiment du temps. Il est 5 heures. Ça m'aurait pris moins de temps si j'avais pas 3 enfants à m'occuper, là. Parce qu'aux 2 secondes, Amanda veut changer de jeu, puis tout ça. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que je suis contente d'avoir tout préparé ça. Mais pour vrai, quand que j'ai lave tout puis j'ai coupe tout, c'est dans 4 jours, il y aura plus de fruits. Je pense, ça a l'air d'être ça. Je savais même pas qu'il y a des pois dedans. Fait que si vous les achetez, sachez ça. Parce qu'ils sont comme en dessous. C'est vraiment bon. Amanda capote comment c'est bon. Puis, des crevettes. Ouais. Puis, moi, les enfants aiment vraiment les petites crevettes. Puis, les petits pois, ils aiment beaucoup ça. Fait que c'est vraiment gagnant. Il nous reste un gros plat, là. Puis, fait que, tu sais, mettons qu'Anthony n'aurait pas été allergique aux crevettes, il aurait aimé ça. Donc, ça aurait été autre chose que des crevettes. Puis, ça aurait fait bien assez pour notre famille de 5. Les enfants mangent quand même pas mal. Nous, c'est vraiment dans nos saveurs, là. Dans le sens, c'est une genre de sauce blanche. Full crevettes, puis des petits pois, c'est des choses que les enfants vont toutes manger dans les pâtes. Et, je les ai pas trouvés molles. J'ai quand les pâtes sont molles. C'est ça. Puis c'est vraiment pas l'enfer. Tout est dedans. Puis il y a vraiment beaucoup de crevettes. Parce que moi, en même temps, quand je fais des pâtes, je prends les petites crevettes Olivia. C'est pas ça que j'ai acheté aujourd'hui, là, les autres. Puis il faut que je mette 2 paquets, 2 des 3 paquets. C'est 20$ le paquet. Ben, le paquet de 3. T'sais, déjà, j'en prends 2. Puis il y en a moins, genre, que ce qu'il y a dans le plat. Fait que ça, fait que ça vaut la peine, moi je trouve. Même si c'est comme 21$, tu sais, c'est super vite à préparer. Puis tout le monde en mange. Moi, quand tout le monde en mange, c'est gagnant. Mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que je suis contente. C'est la première fois que je voyais au Costco. Ils ont comme beaucoup de choix de pâtes, là, je trouve. Pour moi, les pâtes, c'est ce que les enfants aiment le plus. Fait que je suis bien contente. C'est sûr qu'on va en racheter. C'est ça qu'ils ont donné au travail. Ok, mais tu entends, hein? La majorité des infirmiers, c'est en fait des filles, des infirmières. Fait que des lingettes démaquillantes, une crème pour les mains, puis une crème pour le visage. Ok, c'est ici. Puis regardez, il a reçu ça. C'est bien cute. C'est écrit nos anges gardiens, mais attends, si tu écris qu'il travaille, non. Mais en tout cas, en reconnaissance de vos efforts contre la COVID dans le CHSLD, blablabla. Fait que c'est cute, là. C'est gentil. Il est vraiment tard, il est genre minuit et quart. Anthony est sur le point d'arriver. Je viens de me brosser les dents et je me couche. Demain, ben là, je suis contente parce qu'Anthony, il tombe en congé. il a pris congé demain. Normalement, c'était son week-end de travail, fait qu'il aurait travaillé. Mais il a congé, puis on va à la cabane à sucre. Fait que je vais filmer demain. Puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est la semaine de revanche, lundi. Fait que, dans le fond, là, son prochain jour de travail... C'est mercredi? C'est-tu ça? Ouais. Parce que là, le week-end prochain, tribe. Fait qu'il va faire mercredi, jeudi, vendredi. Mais tu sais, on peut faire quand même des choses le matin. Fait que c'est ça qui est le fun, là. Fait que c'est ça. On se revoit demain. Bye tout le monde!